Salut à toutes et à tous, c'est Rastamanga, j'espère que vous allez bien, bon par ça bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de cartes Dragon Ball. Sur ce les amis, bonne vidéo. Donc on va ouvrir 5 boosters de cartes Dragon Ball. Donc ça se présente comme cela. On voit un Goku qui fait un Kamehameha avec un Shenron derrière. Et après là on a le signe Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ensuite là on a les partenaires, Toei Animation, Abyss Studio et tout ça, Shueisha et tout le tralala. Et donc les cartes se présentent comme cela. Donc on a ça c'est les cartes rares, donc les cartes qui brillent, ça va être facile à reconnaître. Avec derrière un message sur le personnage. Ensuite là c'est les cartes moyennes rares, donc les cartes avec un personnage mais qui ne brille pas. Et derrière on a aussi un texte. Et ça c'est les passages dans l'animé, donc ça peut être des moments cool comme des moments d'action, des moments émotifs. Voilà comment ça se présente. Et donc j'ai pris un ciseau parce que je veux garder au moins une illustration souvenir. J'espère que je vais réussir à les ouvrir, donc on est mal barré les gars. Voilà, on va faire ça comme ça. Oh là 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 là. On est mal barré. On va l'ouvrir à l'arrache. Je suis en train de galérer les amis. Voilà. Mon booster il est bien défoncé en deux. Donc on a une carte de Dabra, donc qui est vraiment sympa. Donc ça c'est les moments dans l'animé, c'est quand il a craché sur Kulin ou Epicolo. Voilà. Ensuite on a une carte de Frieza. On a une carte de Jackie Chun. Donc ça me rappelle vachement des souvenirs quand j'étais petit, c'est un truc de fou. Là on a une carte de Trunks. Et là donc on a la carte rare, donc c'est une carte de Gohan qui me semble que j'ai déjà dans ma collection. Voilà. Et on a une carte de Cell. Passons à présent au deuxième booster. Donc je me suis amusé à la découper pour pas qu'on perde trop de temps. Donc on a juste à ramener les cartes. C'est beaucoup plus efficace. Donc là on a une carte de Shaozu avec Nappa, voilà. Donc ça c'est les moments cultes dans Dragon Ball. Ensuite on a Zabon et Vegeta. Voilà. On a Tenshinhan. On a une très belle carte rare de numéro 18 que je n'avais pas dans ma collection. Par contre j'aime pas trop sa tête, j'aime pas l'illustration, mais la carte est jolie dans l'ensemble. Ensuite on a une carte de Gohan et Goku. Voilà. Et pour finir dans le deuxième booster, on a une carte de Majin Buu. Il nous reste plus que 3 boosters, donc les 3 boosters sont ouverts, donc je pense qu'on va tous les faire d'affilée et que je vais plus faire de cut. Donc on va commencer par celui-là. Donc on a une carte de Chichi qui se fait transformer en œuf par Majin Buu. On a une carte de Vegito ou Vegito. Voilà. On a une carte de Nappa avec Vegeta. On a une carte. Donc on a une carte rare. On a une carte de Gotenks SSJ3. Et on a une carte de Goten et Trunks qui font la fusion. Et pour finir, dans le troisième booster, on a une carte de Tenshinhan. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans le quatrième booster? Donc j'espère qu'on va encore avoir des rares. Donc là, on a déjà 2-3 rares. Trois. On commence avec une carte de Goku et de Gulian. Voilà.
Donc ça se passe dans Dragon Ball premier du nom. On a une carte de Goku en Kaioken. On a une carte de Shaozu. On a une carte rare que je n'avais pas dans ma collection, donc c'est le commandant Ginyu. On a une carte de Gohan. Donc ça c'est dans Dragon Ball Z dans l'arc Buu. Et pour finir, on a une carte de Yamcha. Donc dans le quatrième, même dans le dernier booster, donc on va s'ouvrir le dernier booster ensemble les amis. J'espère avoir des rares. Ou une carte un peu rare on va dire. Donc on a encore un Tenchihan qui fait un Gigoron. On a un Saibaman. Donc on a un peu pas de chance. Voilà, Saibaman. On a un Vegeta qui fait un Final Flash. On a encore la même carte rare de Gohan. Déception. On a une carte de Vegito. Et pour finir, on a une carte de Kunin qui fait un Kenzan. Donc bilan de cette vidéo, on a quand même eu des cartes que je n'avais pas dans ma collection. Ça m'a vraiment fait plaisir de revoir ces cartes dans mon enfance. C'est pas des cartes qui sont non plus magnifiques, mais sont sympas à voir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à vous abonner. Sur ce les amis, sayonara.